Mesdames et messieurs, le premier ministre du Québec, M. Jean Charest. Bonjour. Hello. Ulukut Kwe Washiwa. Nous vous présentons aujourd'hui le projet d'une génération, le plan Nord. Pendant plus d'un an, un travail sans précédent de consultation, d'écoute, de concertation et d'évaluation a été fait pour élaborer ce grand projet de développement durable. Par le plan Nord, nous allons mettre en valeur le potentiel énergétique, minier, forestier, bioalimentaire et touristique de ce territoire. Nous allons le faire en améliorant les conditions de vie des populations et en assurant la protection de l'environnement et des écosystèmes. Le plan Nord, c'est le fruit d'un partenariat sans précédent entre les Premières Nations, les Inuits et tous les Québécois. Le Nord du Québec est un des derniers grands territoires vierges du monde. C'est aussi un territoire fragile. C'est un territoire d'une grande richesse. Il est aussi une responsabilité. Depuis 2003, nous avons notamment relancé le développement énergétique. Nous avons privilégié les énergies propres et renouvelables. Nous l'avons fait dans une perspective de développement durable et aussi de lutte contre les changements climatiques. Un projet de coopération entre peuples pour attirer des investissements et pour approfondir des connaissances scientifiques. Le plan Nord va se déployer pendant les 25 prochaines années. Au cours de cette génération, les investissements seront de l'ordre de 80 milliards de dollars. Le plan Nord, c'est le projet de tous les Québécois. Les retombées du plan Nord seront pour tous les Québécois. Ce seront des emplois et des achats de biens et de services dans toutes les régions du Québec. Les Québécois seront actionnaires du plan Nord. Il y a au nord du 49e parallèle un espace pour créer l'avenir. J'invite les Québécois à participer au chantier d'une génération et à faire le Nord ensemble. Merci.